Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je suis revenu dans le bois, vous savez, où j'ai fait cette fameuse dent et puis tout le reste. Évidemment, cette dent qui a fait rire beaucoup de monde apparemment. Bon, je vais continuer dans ce bois parce qu'il me plaît bien. Puis bon, il est plus très très grand, donc il va être facile à quadriller et à terminer en fin de compte. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On va pas traîner, on va pas perdre de temps. Et puis à tout de suite pour la première trouvaille. À tout à l'heure. Je vous prends ici avec un trou là d'une dizaine de centimètres. C'est ici, c'est sorti, je vais vous montrer ce que c'est. C'est du jaune, mais c'est pas du jaune comme j'aimerais bien. C'est une vieille 20 centimes, regardez. Je vous la montre. Hop. Voilà, je vous montre l'autre côté. Voilà, vous voyez, ces bois, ils parlent quand même. Il y a des choses ici. Donc, je vais bien quadriller le secteur et continuer de chercher la preuve. Je vous dis à tout de suite, je continue là toujours. Je vous reprends ici, regardez. Bon, ça crachait un peu, j'ai hésité. Et c'était pas profond. Regardez, je vais vous montrer. Regardez ça. Je vais venir vous montrer quand même. Vous avez vu cette petite hache, avec un côté plat pour servir de pour enfoncer des clous certainement. Vous voyez ça? Ça fait longtemps que c'est là également ce genre de d'outil. C'est super vieux, c'est rouillé. Bon, voilà, il y a de l'existence quand même dans ce bois. Vous voyez, c'est intéressant de continuer, je pense. Je continue et puis je vous dis à tout de suite. Je vous remontre un petit peu cet outil. Voilà, je continue, à tout à l'heure. Je vous reprends ici, j'ai quitté le comment ce petit bois. Je l'ai quadrillé, bon, j'ai pas tout quadrillé. Voilà, ce sera à refaire, je le referai. Vous savez, je suis venu, je vous en avais parlé dans le numéro précédent, où j'ai fait cette dent justement, de ce champ qui était entouré par tout le domaine du château. Je suis dedans là, j'ai un premier son ici, je vais m'attaquer un peu à ce champ, ça me fait sortir des bois, ça me fait du bien, moi aussi. On va quand même regarder cette cible là qui sonne, qui me plaît bien d'ailleurs. On va regarder ensemble. Et ça se passe ici. Oh, c'est très mou ici, vous savez, ils ont passé quand j'avais... J'avais demandé... Oh, bah, j'ai plus ce son qui claquait là tout de suite. Ah, c'est peut-être mieux par là. Je vais creuser, vous savez, moi les petits sons, j'aime bien aller plus profondément pour voir ce que ça donne. Vous savez, j'avais demandé aux paysans, ils ont passé la herse ici. C'est toujours dedans, vous entendez? La herse, ouais, comme je vous disais, ils ont passé la herse ici. Vous voyez le son là? C'est quand même pas le même. Vous voyez que ça vaut le coup de creuser tout le temps. Hop, je vais planter. On va regarder ce qui se trame là-dedans. Vous voyez que ça vaut le coup de... Oh, j'ai trouvé, c'est un bouton. Oh, je vais vous le montrer. Je vais venir vers vous. Je vais vous le montrer. Ah, il est gondolé, je pense qu'il a pris un coup de herse. Je le nettoie deux petites secondes un petit peu. Ah, il va être joli ce bouton. Regardez, je vais vous le montrer. Il a pris un coup de herse, je pense. Regardez voir. Il est tordu. C'est pas moi, je ne l'ai pas tordu avec ma pelle. Impossible. Pas de cette façon-là en tout cas. Je vais le nettoyer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, je vais faire un peu ce champ là, comme je vous dis. Et puis on va voir ce que ça donne en tout cas. Il est, voilà, il est entouré par tout le domaine ce champ, et ça appartient pas au domaine par contre. C'est curieux. Voilà, la route est pas très loin, je pense, vous avez entendu. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui doivent passer ici, mais voilà. Bon, il y a un 6, il y a une inscription, je vous remonte. Il est tordu, j'essaierai de voir ce que je peux faire à la maison. Continue, je vous dis à tout de suite, j'espère. À tout à l'heure. Je vous reprends là avec un tout petit son.
Je sais pas si vous entendez bien, écoutez. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, c'est que de l'herbe et de la terre. Tout est mélangé en fait. C'est bizarre comme. C'est pas charrué, hein. On va regarder ensemble ce qui se trame là-dedans. C'est plus par là. Ça fait du bien d'être un peu sorti des bois, je vous avouerai. Hein. C'est pas sorti, hein. C'est sorti, c'est là. On va regarder ce qui se trame là-dedans. Oh, regardez, j'ai trouvé. Oh, une monnaie, c'est cool ça. Je vais venir vous montrer ça. Oh, c'est cool, c'est la première que je fais dans le champ. Ça, c'est sympa. Ouais. Bon, elle est un peu passée, hein. Je vous montre. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu. Je pense que je pourrais récupérer. Hein. Je vais la laisser bien sécher à la maison. Ouais, le temps a eu un peu raison hein, d'elle. Hein. Je vous la remontre. Hein. Hop. On regardera à la maison. Hein. Je vais la laisser sécher. Et puis je verrai ce que je peux en faire. Hein. Je pense que je verrai ce que c'est, hein, à mon avis. Hein. Bon, ben voilà, je continue. Hein. On m'avait demandé, vous savez, dans les commentaires, pourquoi j'utilisais pas de paint pointer. Parce qu'on me disait que c'était indispensable. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, si tout le monde en utilise un de votre côté, si vous en utilisez. Ce serait bon de parler de ça, tiens, entre nous, hein, avec courtoisie, évidemment. Hein. Voilà. Bon, moi, j'en utilise pas. C'est vrai que des fois, je serais content d'en trouver un pour éviter de creuser trop longtemps. Bon, indispensable, je suis pas certain non plus, j'en ai jamais utilisé, j'ai toujours eu les cibles hein, que je voulais. Ça prend peut-être plus de temps, hein, évidemment. Mais bon, voilà, je sais pas, est-ce que tout le monde utilise un pinpointer? Voilà, dites-le moi, et puis c'est un bon sujet pour converser. On pourra échanger là-dessus. Voilà, je continue après cette petite monnaie. Je vous dis à tout de suite. Un bon trou quand même. Hein. Ici, avec un tout petit son, là. Vous voyez comme c'est bizarre un petit peu ici quand même. Vous entendez le son là? Il est bien ce chant à faire, j'aime bien. Ça me plaît d'être ici. Enfin, ça me fait du bien d'être aéré surtout. Hein. C'est sorti. Hein. On va regarder tout de suite. Hein. Vous entendez hein, c'est marrant. Avec ce détecteur, hein, comme c'est étonnant le changement de son d'un coup hein, quand vous creusez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'aime pas trop quand ça a la couleur rouille comme ça. C'est pas ça. C'est là-dedans. Oh, ça sonne. C'est pas un super son. Hein. Là, il n'y a plus de son du tout, là. Ah, zut. Alors, t'es qui, toi? Ou t'es quoi? Ah, j'ai trouvé, regardez, c'est une petite monnaie. Oh, c'est cool ici quand même. Hein. Vous voyez, ce chant, il parle hein, petit à petit là. Hein. Je vais vous la montrer. Oh, c'est même pas une monnaie, regardez. Je vais nettoyer un petit peu. C'est une petite médaille. Oh, c'est cool ici, regardez voir ça. Hop, je vais la nettoyer, hein. On va la regarder ensemble. Hein. Oh, c'est super, je crois que c'est une médaille religieuse. Hein. Regardez, hein. Je crois qu'on voit le Christ. Oh, elle est jolie cette petite médaille. Regardez comme elle va être belle. Hop, j'espère que la mise au point se fait bien. Hein, sinon, je vous mettrai une belle image. Oh, c'est cool, vous voyez ce chant. Hein. À mon avis, ça va parler ici. Hein. Il y a d'autres choses. Hein. Cette médaille, un passé aussi. Hein, je pense que je vais quand même réussir à la récupérer. Hein. Pour tout, évidemment, mais de voir bien ce qu'il en est de ces motifs. Hein. Je pense que c'est le Christ hein, qu'on voit, je vous la remontre.
Oh, c'est sympa ça de faire des trouvailles comme ça, franchement. Hop, voilà. Je continue, à tout de suite. Hein. Je vous reprends ici, regardez un trou, allez, une bonne dizaine, une quinzaine de centimètres. Et regardez, elle est bien incrustée celle-ci. Hein. C'est une monnaie. Hein. Je vais venir vous la montrer. Regardez ça. Il parle bien ce chon, hein, vous voyez. Hop, je vous la montre. On va la décoller ensemble. Hein. Tac. Regardez ça, c'est pas sympa ça. Bon, je vous montre la monnaie. Oh, c'est cool, je pense qu'elle va être belle celle-ci. Regardez voir. Hop, j'espère que la mise au point s'est bien faite. C'est cool ici, hein, ce champ, moi je l'aime bien franchement. Hein. J'espère qu'elles vont pas être trop passées, hein, ces monnaies. Hein. On va regarder, hein, je vais la nettoyer un petit peu. S'il n'y a pas eu trop d'acidité dessus, ça devrait être pas trop mal. Hein. Elle va revenir cette monnaie, c'est sûr. Je vais revoir un petit peu. On va savoir ce que c'était, hein, c'est certain. Hein. Je vous la montre. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. On verra bien à la maison. Hein, je l'aurai, c'est sûr. Hein. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je suis pas certain que ce soit une napoléonienne. Hein. J'ai un doute là. Voilà, je continue là, hein. On est bien ici, vous trouvez pas? On regardera à la maison hein, ce qu'il en est. Hein. Une petite dédicace à Damien, hein. Tu me l'avais demandé, une dédicace, un petit clin d'œil pour toi. Hein. Bon voilà, hein. On regardera à la maison hein, ce qu'il en est et puis on verra bien. Voilà, je continue, à tout de suite. Je reprends là, avec un son juste là-dessous. Vous voyez comme c'est agréable ici, tout le champ est comme ça. Hein. Je pense que c'est pas mal quand c'est charrué, mais c'est pas mal quand il passe aussi, vous savez, juste la herse. C'est quand même intéressant, je trouve. Hein. Bon, intéressant ou pas, on va s'occuper de ce qui se passe dans ce trou-là. C'est sorti, hein. On va regarder ensemble ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi ça? C'est ça qui sonne. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est joli ça. Regardez, je vais vous montrer. Vous avez vu, je vous montre. Regardez, cette drôle de chose. Ah, c'est bizarre. Vous avez vu? Je vais nettoyer un peu. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça m'a l'air bien sympathique hein, comme découverte. Hein. Bon, on regardera la maison. Allez, je continue, je vous dis à tout de suite, je vous le remontre. Hop, c'est parti. Je vous reprends ici avec un nouveau son là. Regardez voir. Je suis obligé de frotter bien mon disque. Hein. Vous entendez? Le son est pas mal là. Vous avez vu, c'est cool ici quand même. Hein. Vous enlevez l'herbe et vous êtes à même la terre. Hein. Entendez ce son là comme c'est sympa ici. Oh, il est bien ce chant, bon, ça me plaît d'être ici, je peux vous dire. Hein. C'est plus loin. Hein. On va creuser. On est là pour ça. Hein. C'est sorti. Hein. Oh, je vois ce que c'est là. Oh, regardez comme c'est sympa ça. Oh, regardez, je vais venir vers vous. C'est une monnaie, regardez celle-ci. Je vous la montre, regardez ça. Incrustée dans la motte. Je vais la décoller hein, doucement. Oh, regardez l'empreinte. L'empreinte dans la terre de la monnaie. Ce serait presque écrit dessus. Oh, c'est cool ici. Je vais la nettoyer, je vais pas trop frotter. Regardez-moi cette patine. Je vous montre la patine, hein. J'espère que la mise au point se fait là. Hein. Hop, je vais nettoyer un petit peu, je vais pas trop forcer. Hein. Je pense que c'est une napoléonienne hein, quand même. Hein. Je voudrais pas. Parce qu'elle m'a l'air quand même bien propre celle-ci. Oh, elle est propre, c'est sûr. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool d'être là, je peux vous dire. Hein. Vous voyez, hein, je vous avais dit, hein, ce champ en plein. Ah, c'est une napoléonienne. Hein. Ce champ,
Avec le domaine tout autour, c'était sûr de trouver des choses ici. Hein. Je la nettoierai à la maison, regardez ça. Je vous montre. Ah, elle est belle celle-ci. Oh, je suis content de trouver ça, ça me fait plaisir. Là, je vais continuer dans ce champ, je m'y plais bien. Hein. J'ai fait un bon quart du champ, hein, malgré tout. Hein. Vous voyez, c'est diversifié hein, ce qu'on trouve ici. Il y a tout en fait. Hein. On trouve de tout dans un champ, c'est ça qui est assez agréable. Oh, regardez comme elle va être jolie cette monnaie, je vais vous la remontrer. Je l'essuie hein, avec mon pantalon. La machine à laver qui va être contente encore. Hein. Regardez, je vous montre. Hein. Hop. Ah, sympa celle-ci. Hein. Bon, je continue là, forcément. À tout de suite. Hein. J'ai un nouveau son ici, là. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Oh, j'aime bien ce champ, je peux vous dire. Hein. Vous avez vu comment c'est ici? Il y a de la paille, c'est assez haut. C'est mou. Oh, c'est des sons que j'aime bien, ça, encore. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Il y a un bout de ferraille là-dedans. C'est dans la motte ici. Hein. On va regarder. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Oh, il y a de la couleur de rouille. Ça, ça me plaît pas trop. C'est pas. Oh, regardez, j'ai trouvé ce que c'est. Oh, c'est encore une monnaie. Hein. Oh, regardez, je vous montre. Oh, c'est cool ici. Regardez ça. Je vais regarder un petit peu. Hein. C'est une napoléonienne encore. Hein. Oh, ce champ, il est plein de napoléoniennes. Vous avez vu ça? Je vous montre, regardez. J'essaie de faire la mise au point, là. Regardez voir. On voit bien hein, le visage. Hein. Le reflet, toujours. Je la récupérerai, cette pièce, hein, sans problème. Je vais regarder dans ma poche ce que j'ai fait auparavant. Regardez, je pense. Hein. Je disais, je suis pas sûr que c'est une napoléonienne, celle-ci. Je pense, hein, regardez, ils ont la même couleur, elles sont noircies hein, par peut-être des pesticides hein, qu'il y a eu dans ce champ. Hein. Je regarderai à la maison, hein, j'essaierai, je vais les récupérer, hein, regardez. Hein. Oh, je vois bien, hein, regardez, on voit bien. Hein. Oh, c'est cool de trouver des monnaies comme ça, à l'histoire qui sort de ce champ, c'est cool. Je continue là, c'est sympa ici, vous avez vu. Je prends ici, regardez, un trou, hein, une bonne trentaine de centimètres. Et regardez à nouveau, c'est pas dingo ça, regardez voir, le champ de napoléonienne ici, incroyable, je vais la nettoyer pareil, hein. C'est fou ça, c'est pas dingue ça, oh, c'est cool d'être ici franchement, une monnaie tous les 10 mètres ici bientôt, incroyable, je savais que ce champ il parlerait, oh, c'est cool d'être là franchement. Je vous la montrer, hein. Vous voyez encore une. Elle est noircie encore cette monnaie. Hein. C'est une napoléonienne, hein, ça fait aucun doute. Hein. Je regarde. Oh, elle a l'air sympa celle-ci. Regardez ça. Hein. Je vous la montre. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Oh, je suis bien énervé d'être là, moi je vous assure. Oh, c'est cool, et regardez, je vais vous montrer. Hein. C'est pas une boursée ça? Oh zut, je l'ai fait tomber, vous voyez. Regardez ça. Trois monnaies napoléoniennes, plus une avec la patine verte, hein, une ou deux, je sais plus. Franchement, ce champ, il va m'épater, moi, je vous le dis. Hein. Je vous les dédie hein, à tous, hein, tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne, hein, les nouveaux abonnés et les abonnés, hein, évidemment, ceux qui me connaissent. Hein. Oh, c'est cool d'être ici, restez avec moi, on continue. Hein. C'est trop cool d'être là. Hein. Je vous reprends là, hein. J'ai un son encore à nouveau là. On va le faire ensemble. Hein. Oh, vous entendez ce son là, comme c'est sympa ça. On va regarder ce qu'il en est
de ce son. Hein. Oh, regardez encore. Quand je vous dis que c'est le chant des napoléoniennes ici. Oh, incroyable ce chant, il est fou, regardez ça. Oh, je vais vous montrer, regardez comme elle est incrustée celle-ci. Oh, c'est dingue ici, c'est fou. Hein. Je vous avais dit, ce chant, moi, il me plaisait bien autour de... Placé en plein milieu du domaine, là, c'était obligé. Hein. Regardez, on va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est chouette ça, c'est sympa, regardez voir. C'est une napoléonienne encore. Hein. Si elle veut bien venir. Hein. Oh, regardez cette empreinte. Oh, c'est là depuis un petit bout de temps quand même, je pense. Hein. Oh, c'est extra de trouver ces monnaies. Hein. Oh, c'est cool ça. Oh, rien qui me fasse plus plaisir, moi je vous assure, elle est ici là. Oh, le pied. Je vais l'essuyer un petit peu, hein. Vous voyez, elles sont noircies. Hein. Ça, c'est un peu moins cool. Mais bon, on a vu les autres, hein, ce que c'était. C'est une napoléonienne aussi, hein, je pense. Hein. Oh, c'est ça. Hein. Je la nettoierai à la maison, on regardera ensemble. Hein. Je les laisserai sécher. Hein. Regardez. Hein. Oh, c'est bien d'être ici, je vous assure. Oh, restez là, moi, ce champ, hein, ça fait aller. J'ai fait un quart du champ. Il reste plus de trois quarts de champ là à faire, facile, hein, parce que je vois qu'il y a une butte d'abord, je vous montrerai. Et ensuite, ça redescend et c'est, il est immense ce champ. Et il y a un champ de maïs qui lui appartient, qui est juste à entrecouper avec celui-ci. Il y a une partie où c'est comme ça, là, où il a passé la herse comme ça dessus. Et l'autre partie où il avait fait du maïs qu'il a coupé, on pourra aussi aller faire cette partie-là. Mais restez là, je vous assure qu'il y a... Je sens, moi, ce champ, je le sens. C'est sûr, il y a des choses ici, c'est... Voilà. Il n'y a pas de mots. Bon, je vous dis à tout de suite, je continue.